Le premier défi va vous demander de décrocher une victoire royale par tous les moyens. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots, si vous avez de la difficulté à faire top 1. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire top 1 à tous les coups. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous l'explique. Vous aurez juste à refaire la même chose que moi. Donc là, par exemple, regardez, je suis dans une partie justement où il n'y a que des bots. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, regardez, les mecs, ils sont en train de s'attaquer. Mais ils se tuent pas, en fait. Enfin, ils vont bien finir par se tuer, mais... Regardez comment ils sont complètement éclatés, quoi. Là, c'est les deux finalistes, hein. Ça, c'est le finaliste. Il reste plus que lui et moi. Donc là, si je le tue, ben, c'est top 1 direct, quoi. Allez, on va le tuer. On va essayer, en fait. Bon, après, faites attention, hein, parce que quand vous vous approchez trop de la personne, elle peut vous tuer. C'est possible qu'elle vous tue, hein. Le bot n'est pas inoffensif non plus. Il peut vous viser et si vous vous approchez trop de lui, bah, s'il utilise son pompe, vous allez recevoir une balle de pompe et ça peut vous tuer. Mais en tous les cas, vous avez pu voir que j'ai réussi à faire un top 1 sans difficulté. Les finalistes étaient complètement éclatés au sol. Donc si vraiment vous avez de la difficulté à faire un top 1, je vous conseille d'utiliser cette technique de jouer uniquement contre des bots. Et vous inquiétez pas, votre défi sera validé parce que quand vous faites vos défis dans ce genre de partie uniquement contre des bots, ben, ça fonctionne aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique si jamais vous avez de la difficulté à réaliser vos défis. Code créateur SCP.